l'université, c'est l'objectif du gouvernement qui a pu investir 16 milliards de francs dans ce secteur capital pour l'avenir de la science. Au Conseil des ministres, ce matin, le ministre Spahn, le ministre de l'Éducation, a présenté le plan de développement des universités pour les 5 prochaines années. C'est important qui exige une mobilisation de tous. Ce matin, on a fait 300 000 étudiants supplémentaires pour le CESEC. Patrick Herzog, objectif des moyens. Dans chacun des grands centres de la technologie française, l'université de l'Union d'étudiants devra permettre de soutenir des collectivités locales et de les faire pousser le gouvernement devenir une complexe scientifique de l'île de France. Dans la prochaine décennie, près de 20 000 étudiants seront accueillis chaque année. Des étudiants qui n'étaient pas du point de vue. Parce que c'est un problème de sécurité de la chaîne de l'Express, de développer le niveau européen, de bon laboratoire, de compte pour permettre le développement. Certains domaines de recherche, certainement, de bon laboratoire, c'est de travailler avec des années dans un centre international. 23 milliards qui sont payés par les collectivités locales, véritable niveau de sauvetage pour l'université. 3% de ce projet. L'équilibre régional dans lequel chaque région devrait avoir son centre universitaire, chaque faculté doit s'ouvrir sur son environnement, c'est-à-dire travailler avec des entreprises locales, l'université à l'heure de l'Europe avec la création à l'exemple d'accès d'une dizaine de fonds européens. À partir de ce qui va être là, c'est un petit peu de l'été, on pense à la fois les chercheurs, les étudiants européens et également parce que c'est une nécessité pour l'université et les entreprises. Une restructuration importante qui devrait permettre à l'université française d'avoir une nouvelle